une structure différente, sachant qu'il y a plusieurs jours qui sont arrivés sur la pierre dans le sens au moment. Et que le coach, comme l'article, a fait partie beaucoup, beaucoup de jeunes, comme vous avez traduit les phrases au début. Antes de mais, dar os parabéns aos meus jogadores, porque ganhámos um jogo contra uma equipa forte, uma equipa que foi vice-campeã do mundo, e por isso nós viemos aqui com muita dedicação, muita forma, muita abnegação na forma como competimos. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, um jogo difícil, e assim foi. O Raja tem uma belíssima equipa, mas nós fomos seguros, consistentes, e vencemos um jogo, e para nós foi uma honra e um privilégio estar aqui. Avant vous, il dit de féliciter ses joueurs. Ils savaient que c'était un match très difficile, que Casablanca, au Raja, il a des bons joueurs, c'est une très bonne équipe. Ils savaient que c'était un match très très difficile, mais ses joueurs, ils ont été sérieux, ils ont fait tout pour gagner. Il est content parce qu'il a fait un bon match. Même les supporters et tout, ils ont fait un bon spectacle. Oui, oui, bonsoir. Est-ce que vous pensez rejouer ce match parce que vous avez joué avec une équipe du Raja qui n'est pas la même équipe qui a joué le final de la Coupe du Monde parce qu'ils sont partis au Sud-Afrique. Est-ce que vous pensez rejouer ce match avec les brillants joueurs du Raja? O Raja é uma equipa forte, uma equipa muito forte, e qualquer que fosse a equipa e os jogadores que a compunham, iria ser difícil. Mas nós fomos uma equipa muito séria, muito dedicada, muito concentrada, controlámos, digamos, muito bem organizados, e isso foi o mérito da vitória. Malgré les joueurs qui ne sont pas là, ils savaient que même avec les autres joueurs, c'était un match très difficile. Ils voulaient jouer avec des joueurs brillants, comme vous avez dit, mais ils savaient que c'était difficile. On a la question, bonsoir. On voudrait savoir si le coach connaissait d'avance l'équipe de Raja, est-ce qu'il a vu adapter le jeu de son équipe en fonction de l'adversaire? Et puis, est-ce que ça constitue un véritable test? Parce que l'équipe doit préparer la deuxième phase du championnat aussi, notamment. Donc, est-ce que ça constitue un vrai test pour l'équipe? Nós conhecemos a equipa do Raja, já tínhamos visto jogar e sabíamos, mas se há uma coisa que nós fazemos é ter identidade e não mexer, não alterar muito as nossas rotinas, adaptarmos sim ao adversário, mas não mudarmos a nossa equipa. Isto tem sido, em termos da nossa prestação, tem sido sempre assim, e acabámos por fazer isso hoje em campo. Nunca mexemos muito na nossa estrutura e fomos fortes por isso. Foi de facto um bom teste, porque apanhámos aqui um adversário difícil num contexto competitivo muito interessante. Parabéns a toda a organização, parabéns aos adeptos que estiveram aqui a assistir. E para nós foi importante termos cá vindo, foi importante ter uma vitória contra o vice-campeão do mundo. Portanto, acho que foi um dia muito bom para nós. Il dit qu'il connaissait déjà bien au Raja Casablanca, mais il ne change pas beaucoup les équipes. Il change que un, deux joueurs, il ne change pas beaucoup. C'est un bon test parce qu'ils ont joué contre une très bonne équipe comme Raja Casablanca. Mais il veut dire qu'il a tout aimé de venir ici, il a tout aimé de voir le spectacle qu'ils ont fait les supporters, qu'il est content. Il ne change pas beaucoup sa façon de jouer pendant l'adversaire. Il se concentre en son équipe. D'accord? Est-ce qu'il y a des joueurs notamment qui vous ont attiré votre attention, des joueurs du Raja qui ont attiré l'attention de coach du Raja?
Eu nos jogos estou sempre muito preocupado com a nossa equipa e não gosto de fazer análises estando do outro lado do campo, portanto gosto de fazer as análises aos jogadores de uma forma tranquila, fora do recinto. Vi que havia de facto bons executantes, há qualidade de jogo, mas não me quero pronunciar sobre ninguém em particular, porque gosto da equipa no seu todo. Il est plus longtemps au repos. Je sais que si je reprends bien, mais pas si je suis dans le pantalon, ça va être un peu plus de joie, je me sens de revenir, c'est un peu plus long, parce que في فوجي الآن عندك واحد ترسانة قوية من اللاعبين الشباب اللي ربما تتفكر أنك تعتمد عليهم بعد العودة ديال اللاعبين الأساسيين. وأكدت يعني باش يكونوا متواجدين مع المجموعة مع الفريق الأول وأظن فعلا نحتاجون مثل أي لاعب يبرز باش يكون متواجد باش يكون الفراغ الموجود. أكدت اللاعبين شو بين هذا نعمل عليه. يعني الفريق كان Il faut qu'il donne le plus. Un jeune, il ne faut pas qu'il se considère comme un jeune. Je suis contre cette année. Un jeune, s'il est jeune, on ne vote pas, il n'aura jamais de cadeau. S'il est capable de donner le plus, oui, s'il est capable. Thank you very much.